Yeah, on connaît sous le nom du justicier Venom. Vous êtes branchés sur coup d'oreille. Yeah. Des cassettes qu'il y a ici, il y en a beaucoup que j'ai chez moi. Et c'est... on baigne dans le cinéma depuis notre enfance. Pour choisir quelques réalisateurs en français, je vais te citer Yves Boisset, que j'aime beaucoup. Il a fait Le Prix du Danger avec Gérard Lanvin. C'est un film. C'est le film qui a inspiré Running Man. Running Man est inspiré de ce film. Dans Running Man, ils ont viré l'aspect social. Ils ont gardé un truc où beaucoup de gens courent après l'argent et leur vie est déterminée par ce que la télé leur dit de faire. Or play the running man. On your mark. I'll be back. Go! Comme une espèce d'abattoir pour prolétaires. Mais dans le Prix du Danger, t'as vraiment ce côté social. Le mec, c'est un chômeur, il a pas d'argent, ou il fait des petits boulots. J'aime beaucoup ce réalisateur Yves Boisset. Il a fait d'autres films super. Il y a un film qui s'appelle Canicule que j'adore. Le juge Fayard, dit le shérif, avec Patrick Devers. Dupont-la-Joie, on peut pas parler d'Yves Boisset sans citer ce film. Un film avec Jean Carmet, qui traitait du racisme avant tout le monde. Il y a eu Train d'enfer, qui était tiré d'une histoire vraie, où des fachos jetaient un arabe d'un train. Un film avec Roger Hanin, il me semble. Et en parallèle, il y a le cinéma US avec, comme réalisateur, je te citerai De Palma. Parce que Brian De Palma, il a fait tout un tas de films différents. Mais à chaque fois, il y a un thème qui est abordé d'une manière que personne n'aborde. Il y a Body Double. Body Double, c'est un film sur un mec, un acteur, qui n'arrive pas à jouer parce qu'il est pris de panique, il est claustrophobe. Donc quand ils le mettent dans un cercueil pour faire le zombie, c'est compliqué pour lui. James Cameron, ce serait pour un seul film, Terminator. Terminator, c'est la plus grosse influence qu'il y ait eu sur Marvel Records. Déjà par rapport au thème abordé, l'anticipation. C'est-à-dire que dans un futur lointain, les machines prendront le contrôle. On voit, sans faire le psychopathe, quand tu regardes bien, tu vois qu'on est de plus en plus assisté par la technologie. Maintenant, quand tu conduis ta voiture ou ton camion, c'est un GPS qui te guide, qui te dit prends à droite, prends à gauche. T'arrives plus à penser par toi-même, tu connais plus la ville. Moi, j'aime ce truc dans ce film. Après, je pourrais t'en citer plein des réalisateurs que j'aime beaucoup. Il y a Tom Holland qui a fait Vampire, vous avez dit Vampire. Ça aussi, c'est une de mes plus grosses influences. Déjà, quand j'étais gamin, l'affiche, elle me faisait cauchemarder. Une espèce de tête qui plane dans le ciel avec des nuages. Vidéodrome aussi, c'est un film qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, j'ai donné le nom de mon studio. C'est pas vraiment un studio, c'est plutôt une antre. C'est un endroit où il y a des cassettes vidéo, où il y a des vinyles, il y a des Marvel Comics. On est plus Marvel. Et on a donné le nom de cet endroit, on l'a appelé Vidéodrome. C'est là que je produis, que Zombie produit, c'est là que j'enregistre mes morceaux, que je fais mes scratchs, que je mixe mes albums. Tout se fait là. C'est un endroit auquel on tient, parce qu'il est imprégné de toute cette poussière et ce gaz qui se dégage de les vapeurs de cassettes, les vapeurs de disques. Les trois voix qu'il y a dans mon disque, c'est trois voix qui apparaissent souvent dans les films. Il y a la voix de Mike Dara, que j'embrasse au passage. Mike Dara, c'est la voix de Whoopi Goldberg, mais pour moi, c'est surtout la voix de Ginger dans Terminator. C'est la voix de Lewis dans Robocop. C'est des gens qui ont des voix reconnaissables entre mille. Alors, t'as aimé le film? Ah ouais, c'était vraiment extra. Puis en plus, le doublage de leur voix en VF, excellent. C'est vrai que les comédiens qui doublent ces films, ils sont très forts. Et puis il y a la voix de Schwarzenegger. La voix de Schwarzenegger, c'est Daniel Beretta. Mais lui, c'est pas la voix de Schwarzenegger de Running Man ou de Terminator. Lui, c'est la voix de Schwarzenegger de Double Détente. Même si vous reconnaissez cette voix, tout ça est bien réel. Et ces doubleurs, je les ai contactés comme j'ai pu. Dès que j'ai réussi à mettre la main sur eux, je leur ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Et ça les a intéressés parce que... En fait, il y a plein d'artistes qui vont pousser, qui vont essayer de faire des disques comme des films, mais qui vont s'arrêter seulement à la pochette ou qui vont s'arrêter seulement au concept. Moi, j'ai voulu le faire à fond pour que quand t'écoutes mon disque, t'as vraiment l'impression d'être dans un film. Et t'as du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais dans mon disque, c'est une métaphore géante. Et tout ce qui est dit de manière métaphorique
amène à quelque chose de réel. Quand j'ai sorti mon disque Injustice dans la ville, Mad Movies s'est intéressé au disque. Et il y a un gars qui est venu vers nous, un mec sympa, que je remercie, que je salue au passage, Rurik Salé. Il est plus chez Mad Movie maintenant, il a bougé, mais c'est le mec qui m'a proposé de faire un clip. Et on a essayé de faire un truc assez, assez barré et qui collerait à l'univers du disque. On a fait le morceau qui s'appelle La Voix du Justicier, parce que ça servirait en même temps de teaser, vu que c'est un morceau court. Et c'est un morceau avec un sample de Vampire, vous avez dit Vampire, le film dont je parlais tout à l'heure. Ça amène... tout est lié, en fait. J'ai fait le clip Drogue dans la ville, c'est un de ceux que j'aime le plus. Je l'ai fait en hommage à Guru. Guru, c'est une grosse influence pour moi, Guru de Gangstar. J'aime beaucoup Gangstar. DJ Premier a fait des morceaux pour moi d'ailleurs. Il produit dans mon prochain album, Overdrug, il fait un nouveau morceau pour moi. C'est un groupe que je respecte, comme beaucoup d'autres. J'adore le clip Just to Get a Rap de Gangstar. Ce clip, Drogue dans la ville, je l'ai vraiment fait dans l'esprit de ce clip-là, Just to Get a Rap. En noir et blanc, très, très rugueux, très, très axé sur la rue. Parce que je parle pas forcément de rue dans ma musique, mais je viens de la rue. Et dans ces rues, j'ai pu voir tout un tas de choses. Et c'est ce dont je parle dans ma musique. Et dans ce clip, j'ai mis un point d'honneur à ne montrer que des endroits où j'ai vécu. Tous les endroits que tu vois, c'est que des endroits de mon coin. J'ai pas été faire du repérage et chercher des endroits ou chercher du sensationnel. C'est chez moi, c'est là que je marche, c'est là que je cours. C'est ici que j'ai vu, que j'ai grandi, que j'ai appris. Et j'ai fait un autre clip complètement différent de Drogue dans la ville, qui est lui justement axé sur tout ce qu'on aime chez Marvel Records, c'est Mad Music. Avec Freddy qui ouvre un coffre et qui met le vinyle sur les platines et qui se met à scratcher. Il y a tout ce qui fait les plans du cinéma d'exploitation. Vraiment un côté très VHS. Et tu vois, de toute façon, t'as l'impression que la cassette déconne quand tu regardes le clip. Et on aime ce truc-là. Pendant que je vais regarder le film et que je vais entendre le sample, je vais remettre 3 fois la scène, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que la mélodie elle, se fasse dans ma tête. Et une fois que c'est fait, je mets pause, j'allume mon sampler et je balance le sample dans mon ému. Et à partir de là, je commence. Come with me.